C'est l'occasion de voir les forces en présence à Lyon et en région dans le domaine des infections nosocomiales, tant en termes d'innovation que de traitement. Et c'est donc l'occasion aussi de voir les participants, les personnes qui comptent dans le domaine et puis pourquoi pas des futures collaborations. Voilà, c'est sa taille, c'est convivial, c'est facile de voir les différents acteurs importants donc de la région, mais surtout qui représentent un échelon national, voire international. Voilà, donc petite dimension, c'est l'occasion de rencontrer facilement les participants. Ça a été pour nous l'occasion de sortir du bois. C'était la première fois qu'on présentait quelques données sur nos programmes. Donc, histoire de voir quel était son impact, justement, principalement en direction des cliniciens et de certains laboratoires pharmaceutiques présents. Ça a été positif, donc on a refait l'expérience ailleurs avec plus de données et à l'international. Non, le format est bien équilibré entre moment de networking et présentation. Peut-être les aspects téléconférence ils sont un peu délicats à chaque fois à mettre en œuvre. Voilà, sinon peut-être l'intérêt, peut-être avant une internationalisation, une européanisation pardon, de l'événement. Je pense notamment à l'Italie ou à la Grèce, ils sont très exposés à la résistance bactérienne en contexte nosocomial. Donc, ce serait peut-être intéressant de comparer justement, enfin de savoir qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là et comment les hospitaliers réagissent. Donc la journée infection nosocomiale en trois mots, c'est nosocomiale d'abord, ça c'était facile, constat et anticipation.